Voilà, bonjour. Je vous offre un petit cadeau pour le jour de l'an. On est le 31 décembre 2017. Donc, j'ai reçu ce colis de dressage. La notice, il est en anglais. Donc, j'ai galéré pour le régler. Heureusement, j'ai réussi. Je ne connais pas l'anglais. Je suis un étranger. Je suis un Kabyle. Algérien Kabyle. Donc voilà, j'ai l'accent. Mais quand même, je vais faire de mon mieux pour l'expliquer aux gens comment ça marche si ils ont commandé la même chose. Voilà, on va commencer. On commence, il y a la télécommande. La télécommande, c'est facile, il n'y a pas un bouton spécifique pour l'allumer. Vous appuyez où vous voulez, ça allume. Voilà. Donc, on va le mettre de côté. Il y a deux têtes de choc et sonnerie et vibreur. Après, il y a deux colliers. Il y a un sens pour le mettre. Il faut toujours mettre les têtes vers le cou, vers la peau, je veux dire. On ne peut pas mettre les têtes vers l'extérieur, bien sûr, tout le monde qui connaît. Voilà, et le collier, il y a la prise, il y a le fil USB, la prise. Il y a ce genre, c'est pour couvrir les têtes là. Voilà, pour les enfants. Il y a une petite lampe pour tester le choc. Je vais vous expliquer quand même, comme ça, il n'y a pas de souci. Ça prend du temps, je m'excuse. Voilà. Ça, les têtes là, on peut les couvrir avec ça. Pour les enfants en chaos, à la maison. Donc voilà. C'est bon. La lampe, quand synchroniser la télécommande avec la tête. Donc ça, on peut le tester pour le choc, pour voir s'il s'allume ou pas. En tous les cas, ça, il s'allume. À partir de 10, il s'allume. Jusqu'à 90. 90, c'est très fort. Voilà. Donc, là, c'est bon. On va mettre ça de côté. Donc sur la télécommande, on appuie où vous voulez. Vous appuyez où vous voulez, ça s'allume. Voilà. Là, on est CH, ça veut dire pour trois chiens. Vous avez CH3. Vous voyez, la vidéo n'est pas vraiment. Voilà, CH3. CH1, chien 1, chien 2, chien 3. Donc après, chien 1, on va aider sur chien 1, chien vibreur, vous appuyez comme ça, c'est vibreur, comme ça c'est le choc, moi je l'ai réglé à 40, vous avez plus et moins pour monter et descendre, pareil pour vibreur, sonnerie, on n'a pas besoin, vous appuyez juste, ça sonne. Voilà, ça sonne et ça allume le voyant. Donc, on va passer à l'étape suivante. Quand vous êtes sur C1, CH2, CH3, voilà, chien 1. Donc, là, je vais synchroniser. Par contre, ici, je vais vous expliquer. Il y a le machin pour charger, c'est ici. Il faut toujours, après le chargement, il faut bien fermer. Là, pour allumer. Voilà le voyant. Mais sur le même bouton, qu'on peut synchroniser entre la tête et la télécommande. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi, je l'appelle la tête. C'est pas grave. Attends.
je vais éloigner un petit peu comme ça. Donc, j'allume. Normalement, il est allumé. Comme ça, il est éteint. Il est allumé. On va essayer de synchroniser. Normalement, il est synchronisé. Non. Donc, je vais essayer d'appuyer ici sur le même bouton. Je vais le synchroniser. Toujours chien numéro 1. Donc, il est synchronisé. Comme ça, il est synchronisé. Vous voyez? Ça bouge. Voilà. Voilà. Donc, pour voir, pour les chocs, on passe pour les chocs. Les chocs, je vous ai dit qu'il y a une petite lampe avec deux. Voilà. Je vais essayer de le mettre dessus. Oui, il s'est allumé. Voilà, quelle électricité. Donc comme ça, c'est le choc. Pareil pour le chien 2. Donc celui-là, il est synchronisé. Après, avant d'allumer celui-là, il faut descendre au CH2. Voilà. Comme ça, et je vais l'allumer. Je vais tester ici, les synchroniser. Non. Donc, je vais le synchroniser. J'appuie. Voilà, elle est synchronisée. Faut pas se précipiter, tout est facile. Après, c'est facile à brancher la totale. Pour éteindre celle-ci, il n'y a pas de bouton pour allumer. Dès que vous la laissez un petit moment, il s'éteint toute seule. Il se met en veille. Par contre, les têtes, il faut l'éteindre. Voilà. Pareil, il va s'allumer le machin, si vous voulez, qu'on va essayer quand même. Ça ne m'embête pas. Sur le chien 2, toujours, je vais passer un choc. Voilà, c'est fort, mais voilà, il s'allume. Oui, voilà, il s'allume. Tant mieux. Donc, voilà, comme la notice est en anglais, moi j'ai pas fait des études. J'ai uniquement certificat d'études à l'ancienne, les années Charlot. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre un petit like sur ma vidéo. Ce que j'ai galéré pour cette marque. En tous les cas, je vais mettre tout sur YouTube. Voilà. À bientôt. Au revoir et bonne année, bonne santé, meilleurs voeux à tout le monde. À bientôt. Mes chers frères, mes chères sœurs. Au revoir.